Ça éclate plus la... Ça éclate plus la maman. Oui. Salut, c'est Stéphane. Alors, je suis bien embêté parce que le coach qui était prévu pour le stage d'avril, du 11 au 15 avril, il est pas dispo. Donc, il faut que je trouve un autre coach ou un autre concept qui corresponde à vos envies et surtout à vos besoins. Pour trouver des idées, il faut aller prendre l'air. Hein. On peut pas trouver des idées constructives. Le pif collé sur un mur. Il faut aller prendre l'air. Il faut aller marcher. Il faut aller voir. J'en sais rien. Parfois il y a des endroits qui profitent plus, on va dire à l'âme, pour trouver des idées. J'en sais rien. Le bord de mer, la montagne, l'air, marcher en forêt ou je sais pas quoi. C'est scientifiquement prouvé. Hein. Donc on va partir là sur une montagne là qui est à côté, là qui est pas loin, qui a une demi-heure en bagnole. On va faire un petit peu de luge avec le gamin tranquillement et puis après on va aller manger sur une petite terrasse enneigée mais néanmoins ensoleillée, on va se mettre bien et puis là-bas je vais vous parler, donc je vais réfléchir à tout ça et là-bas tranquillement je vais vous parler d'un truc qui s'est passé pour un de nos élèves qui va être le premier à se retrouver booké en show là ce samedi pour une structure qui n'est pas AYA ou ECA, donc vraiment pour une structure extérieure, vraiment son premier truc en dehors de nous, quoi. On l'avait déjà fait travailler sur des plans professionnels, donc payé. Et donc là, voilà, c'est son premier truc à l'extérieur. Et donc, voilà, je vais vous parler de comment finalement se faire respecter comme lutteur. Allez, on y va. C'est le premier de nos élèves qui part en show pour une structure extérieure. Au début, évidemment, donc vous allez apprendre au fur et à mesure que vous allez prendre du métier qu'il faut toujours lutter pour son beefsteak, quoi, pour son cachet, tout simplement. Au début, il devait payer son stage et puis lutter à la fin de stage pour un show. Mais on paye pas pour lutter, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Après, donc je vous donne un peu le tiercé dans le désordre. Après, si j'ai bien compris, après il devait avoir donc ses frais remboursés pour le gala, pour lutter. Mais c'est pas sympa, c'est normal de rembourser les frais, ça c'est normal. Ensuite, il devait donc payer son stage, je crois, et puis rembourser de son essence ou un truc comme ça, je sais plus quoi. Et donc résultat. Je vais aller à l'essentiel, résultat des courses, il a réussi quand même, il a réussi à faire respecter, donc voilà, à se faire respecter comme catcheur, à faire respecter ses conditions, c'est-à-dire d'être défrayé pour venir, ça c'est normal, et d'être payé le cachet de lutteur qu'il voulait, sans avoir à finalement devoir faire le stage, donc en plus il fait pas le stage.
Ça fait combien de temps Les voici. Merci. Désolé pour l'attente. Merci. Merci. Bon appétit. Merci. Tu fais ? Non. Il est choisi ? Non, Stéphane. Ouais. Comment ? Non, tu mets pas ça dans ta vidéo. On a trop attendu pour le repas, on est trop saoulés. Trop attendu. Trop de la solitude. Solitation ? Non, solitationnage. Solitationnage. Trop de solitationnage pour ce repas. Ok, donc oui, l'art d'être indispensable. Donc effectivement, le promoteur, il lui demande de prendre un autre lutteur sur le chemin. Et évidemment que tu te rends disponible pour faire ça, quoi. Ça, après, c'est du service, voilà. Il faut toujours faire un petit peu plus que ce dont pourquoi tu es payé. Et donc voilà, ça, il a réussi ça. Et c'est un peu une fierté. C'est en partie grâce aux formations, aux stages, en partie de chez ECA. Mais aussi en partie également grâce à une formation en vidéo qu'il avait téléchargée. Donc d'ailleurs il y a le lien là qui s'annonce là sur l'écran si vous êtes sur YouTube ou au-dessus là si vous êtes sur Facebook. Et donc qui est une formation, c'est qui comment fixer ses tarifs, comment augmenter, comment doubler voire même tripler ses tarifs de catcheur et comment doubler voire même tripler ses tarifs de catcheur sans perte de booking et comment devenir indispensable. Voilà, donc cette formation est encore disponible, là le lien s'affiche, et donc c'est en partie grâce à ça que il a pu passer de simple client, on va dire, à tout simplement catcheur respecté, rémunéré et qui vient pour faire ce qu'il a à faire. Et donc ça, c'est toute la pédagogie de ECA et je me battrai tout le temps pour ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la pouce bleuter et je vous dis à bientôt.